quelques secondes sur ce thème-là. Paranoïa et conduite, moi je ne suis évidemment pas psychiatre, mais évidemment qu'il faut être paranoïaque quand on conduit. Se sentir en sécurité, c'est une énorme erreur, hein. Bien sûr, les voitures sont extrêmement insonorisées maintenant. Mais voilà, il faut vraiment faire le plus attention possible, avoir un peu peur de tout, même s'il faut quand même se contenir et essayer d'instiller un minimum de confiance vis-à-vis des passagers, quitte à ne pas leur parler, hein, pour leur dire « excuse-moi, je conduis ». Voilà. Il y a autre chose aussi qu'on pourrait dire, c'est se sentir un peu poissard quand vous êtes au volant. C'est-à-dire ne pas avoir de chance, avoir la poisse. Ça peut vous aider en vous disant « de toute façon, j'ai pas de chance, donc je vérifie partout ». Voilà. Alors après, évidemment, faut que ça soit compatible avec une certaine fluidité dans la conduite. Hein. Mais c'est le terme paranoïa, le terme poissard peuvent peut-être vous aider à vous améliorer.